Salut à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit unboxing. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait un, hein. Le dernier c'était sur la Air Max One Clot il me semble. Et en fait là j'ai reçu une paire, donc il y a à peu près 2 jours, que j'ai eu en accès exclusif après avoir pris un gros L sur la Jordan 4 UNC que je voulais vraiment. Malheureusement, bon bah voilà, comme d'habitude, j'ai fait toutes les raffles etc, ça n'a pas marché. En tout cas j'ai été très ravi parce que malgré ce L matinal, j'ai quand même eu une petite notif pour acheter une paire. Et il s'agit d'une paire, je vais pas vous la cacher, de toute façon vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de la Nike Dunk SB High Hawaii et je vais vous la présenter aujourd'hui. Elle contient beaucoup de détails, mon avis assez mitigé, je vais vous en parler dans la vidéo et sur ce, on y va. Ok, donc là, la paire, tout simplement, donc je l'ai reçu dans une double box Nike comme d'habitude. Je vais vous montrer le carton, ça n'a aucun intérêt. On reçoit ça dans une boîte DSB, voilà, donc boîte DSB assez sympathique, voilà, avec pas mal de couleurs, etc. Donc moi déjà la boîte, premier avis, je la trouve très sympathique, voilà, ça change de ce qu'on a un peu l'habitude de voir. Et malgré tout, le carton, il est un petit peu plus robuste que les cartons de boîte rouge basique. Donc voilà, on a la boîte, il n'y a pas énormément de détails hein, autour de la boîte qui peut rappeler la paire ou autre. Ici on a le petit tag, voilà, donc le petit 9,5, Hawaii, blablabla. Donc c'est vraiment une paire très sympathique que je vais vous présenter maintenant. Elle est assez atypique on va dire, hein. C'est des paires qu'on n'a pas l'habitude de voir, sont non plus pas évidentes à porter. Donc là quand on ouvre la boîte c'est comme ceci. Et là on a le papier de soie, voilà, un papier de soie qui est assez sympa également, hein. On peut regarder, voilà. Voilà, donc avec des petits motifs assez sympathiques. Et donc ici on a le plus important qui est la paire. Donc la paire, je vais vous la sortir tout de suite. Hop, et donc la paire, la voici. Donc c'est une paire comme vous voyez qui est assez spéciale hein, et qui va sans nul doute rappeler le papier peint préféré de votre grand-mère. Parce que j'avoue qu'il est assez spécial hein, ce colorway là, enfin ces motifs là. Franchement pour rappeler Hawaii, je pense qu'il y avait d'autres trucs qui pouvaient être un peu plus sympathiques. Là on est quand même sur des couleurs, voilà, je trouve déjà les couleurs pas ouf, c'est assez vieillot. Et le motif floral, je le trouve vraiment papier peint de toilette quoi. Donc je suis vraiment pas fan du tout. En revanche je voulais vraiment la prendre parce que voilà, je voulais déjà voir ce que c'était qu'une ISB, parce que bah, j'en ai jamais eu, j'ai eu des high mais pas des SB, et je voulais vraiment voir ce que ça donne en main en termes de qualité. Et j'avoue que là dessus on est assez servi. Donc comme on peut voir ce motif, il l'appelle un petit peu motif de type Aloha, donc voilà, qui rappelle bien Hawaii. Donc on a des matières assez spéciales et assez robustes, voilà, au niveau de la qualité franchement c'est vraiment top. J'ai l'impression qu'en fait quand Nike ne met pas forcément du cuir, et bah c'est pas trop mal. Donc on a une partie qui est full canva, et là où il y a une différence ça va être sur le souche qui est lui fait en chanvre, voilà. Donc le souche, voilà, vous pouvez le voir en tissu, donc lui il est en chanvre. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le chanvre, en fait c'est tout simplement une plante, voilà, qui est liée au cannabis mais qui ne procure pas de tête, voilà, donc ça se fume pas ou autre. Et avec ça on peut faire du tissage et notamment du tissu, donc c'est utilisé depuis très très longtemps, on peut même l'utiliser comme isolant, enfin bref, il y a plein de façons d'utiliser le chanvre, c'est utilisé maintenant même en crème etc. Et donc là ils l'ont fait au niveau du souche et c'est pas pour rien, parce qu'en fait cette paire là, outre le fait que ce soit un motif floral qui rappelle Hawaii etc, il y a un système tear away, donc système tear away qui veut dire qu'on peut enlever la première couche pour en découvrir une seconde, et cette seconde couche elle et ben représente tout simplement des couleurs rouge et orange avec des motifs un peu tropicales et du vert, et le vert qui rappelle tout simplement le cannabis présent sur les îles hawaïennes. Et c'est vrai que tout le monde ne l'avait pas vu, tout le monde n'y a pas pensé. J'ai fait mes petites recherches et c'est comme ça que j'ai trouvé ce petit détail en quoi c'était rappelé, et ça m'a notamment éclairci sur pas mal de choses, notamment sur le fait qu'il y ait à l'intérieur, alors je vais défaire les lacets et je vais vous montrer, en fait à l'intérieur ici une petite poche qu'on peut enlever comme ça, voilà, et ici tu peux mettre toutes sortes de choses que tu aimes bien mettre. Et en fait c'est vraiment sympa parce que voilà, on a du détail, c'est assez poussé et je trouve ça vraiment cool. C'est également pour ça que la paire est sortie à l'occasion du 420, voilà, du 420, donc qui représente simplement le jour de la fumette hein, voilà, donc c'est le 20 avril. En tout cas on a beaucoup de détails hein, même à l'intérieur quand on regarde, je sais pas si on va bien voir, voilà, à l'intérieur on a un détail un petit peu tropical etc, en fait qui va reprendre tout simplement le colorway et les détails qu'on pourra trouver sous le revêtement de la paire. Donc ça c'est vraiment cool, donc on peut voir au niveau des lacets hein, également on n'est pas sur la même chose, voilà, on a des lacets un peu, des lacets ronds assez épais typiques on va dire des DSB, voilà, avec une languette assez épaisse qui est très sympa. Franchement c'est très très robuste hein, au niveau de la paire. On a également un petit détail ici vert, voilà, qui va être le vert qu'on retrouvera en dessous
du revêtement également. Donc cette paire est vraiment bourrée de détails, il y avait vraiment beaucoup de travail, c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette paire. Malheureusement, et ça c'est mon avis personnel, la paire dans sa globalité, bah je ne la trouve pas belle. Voilà, je suis vraiment pas fan. J'apprécie énormément le travail qui a été fait autour parce que voilà, franchement, on voit qu'il y a eu une recherche. Mais je suis vraiment pas fan du colorway qui pour moi est assez spécial en fait. Et même les motifs, je sais pas, je ne vois pas porter ça du tout même pour l'été. Même si voilà, je pense que certains pourront le porter très très bien. Donc voilà, on peut voir, hein, on va regarder un petit peu la paire quand même de près, hein, c'est ce qui vous intéresse. Donc là on a une semelle blanche, ici en dessous c'est blanc cassé avec le petit truc SB en orange ici. Voilà, donc après au niveau des détails je vous ai montré un petit peu tout, hein, voilà, avec les détails florals, etc. Sur la deuxième chaussure, ce qui est cool et ça fait bien plaisir, on a deux paires de lacets différentes, une verte et une orange, voilà, tout simplement pour rappeler les couleurs principalement du revêtement. Et malgré tout cette paire, voilà, est vraiment faite pour qu'on enlève son revêtement, j'ai l'impression, enfin tout nous indique qu'il faut enlever ce revêtement, j'ai l'impression, que ce soit la couleur des lacets ou bien encore la couleur de la semelle intérieure. Y a beaucoup de choses qui nous font croire qu'il faut vraiment enlever ce tissu là. Donc après, libre à chacun de le faire. Moi bien évidemment je vais pas le faire parce que pour être honnête avec vous, je ne vais pas garder cette paire, je vais la revendre parce qu'elle me plaît pas. Voilà, je voulais tout simplement faire une review dessus. Je voulais en parler parce que je trouve que c'était une paire qui est atypique et qui mérite une petite review. Donc il y aura pas d'unfit, voilà, je vais pas vous le mentir. Et puis de toute façon unfit, voilà, je pense pas que ça va m'aller, je vois pas trop comment la porter, c'est assez compliqué malgré tout. En tout cas on a énormément de détails. Pour rappel, voilà, le modèle Hawaii, y en a déjà un qui a été fait sur une low SB. Et ce modèle là est un peu plus dans un délire volcanique, qui prend un petit peu plus les reliefs que peuvent posséder les îles d'Hawaï, donc avec beaucoup de montagnes, beaucoup de volcans, etc. Cette paire qui est un petit peu en dehors, qui va reprendre plus les couleurs de la nature, de la forêt, typique florale, etc. Donc voilà, c'est un petit peu différent, mais en tout cas c'est une paire qui est très intéressante, qui est très atypique esthétiquement. Au prix d'achat c'est 120 €, au prix resell c'est environ 250-280 €, voilà, bien sûr ça dépend, donc le resell n'est quand même pas énorme mais il reste quand même assez bon dessus. En termes de sizing c'est true to size, voilà, donc prenez votre taille habituelle si jamais la paire vous plaît. Moi je fais 43, j'ai pris 43, par expérience je sais qu'une Dunk c'est true to size, donc là dessus voilà, moi je l'ai pas essayé ni autre mais je sais que c'est du 43 100% sûr. Donc voilà, paire très sympathique avec pas mal de détails qui est sortie il y a maintenant quelques jours et que j'ai été très ravi de vous présenter. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire bah, ce que vous pensez concrètement de la paire, si vous trouvez que c'est une belle release, si vous trouvez que pour une fois Nike a fait un beau travail sur une paire comme celle-ci, ou si vraiment la paire, bah, je vous la trouvais vraiment pas belle et que c'est pour vous un échec. Donc dites-moi ça en commentaire qu'on puisse en discuter, de toute façon je réponds la plupart du temps à tout le monde, sauf aux méchants commentaires non constructifs, parce que pour moi il n'y a aucun intérêt à répondre à ces commentaires-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, je vous mets également mon petit Instagram ici. Juste pour vous tenir au courant, il va y avoir un concours qui va se dérouler samedi. C'est un très très gros concours, j'espère que ça vous plaira. C'est pour fêter les 10K, je vous l'avais promis, j'ai mis un peu de temps à le mettre en place parce que voilà, j'ai un emploi du temps aussi assez chargé. Mais maintenant, c'est fait. Donc j'espère qu'il vous plaira. Restez connectés, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte, ça va se passer sur Instagram. Donc allez voir, ça sera en description. Et sur ce, on se retrouve samedi à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.